Depuis bientôt 2 ans, la CAL et Kobi ont noué un partenariat afin d'encourager la pratique sportive. En lien avec des commerces, cet outil permet de réaliser des économies en enregistrant ses achats sur une application. Une nouveauté depuis quelques mois dans ce magasin de Noyelles-sous-Lens. On fait les courses donc chez nous, on garde son ticket de caisse, on le scanne sur l'application Kobi et nous reversons 3% du montant des courses de nos clients pour qu'ils puissent cumuler et aller s'en servir chez du matériel de sport, des entrées piscines, des licences. Ici, 1 380 € ont déjà été reversés à une centaine de clients qui peuvent en profiter, comme Sabrina. Cette mère de 2 enfants est une nouvelle utilisatrice depuis 4 mois. Elle a trouvé la formule très intéressante. Alors, j'ai récupéré 35 € en cagnotte. Je ne les ai pas encore utilisés, je ne me suis pas encore mis dessus, mais je pense que c'est un bon pour des bons de réduction pour les activités des enfants. Ma fille fait du foot, donc... j'ai des vêtements de foot, ça peut payer une licence de sport peut-être, oui. Parmi les 28 partenaires, on retrouve d'autres magasins, mais également depuis peu cette enseigne de fast-food lévinoise. Une dizaine de clients ont pu récupérer 6% de l'argent dépensé ici. Un moyen aussi pour la gérante de voir son chiffre d'affaires grimper grâce à l'augmentation du montant moyen des commandes. On a pu constater une augmentation de notre ticket moyen de 10 à 15%. Donc quand on investit 1 € à Kobi, on a un retour de chiffre d'affaires de 10 € environ. C'est très très bien, on est très content. En tout, 4 350 habitants de la CAL ont bénéficié de 110 000 € de budget sport. Une opportunité à saisir en téléchargeant l'application Kobi sur votre smartphone.